Aristide, c'est vrai aujourd'hui, quand on essaie de regarder les choses, notre pays a 63 ans d'âge. Quel bilan peut-on tirer de notre République du Congo? Car tu le sais comme moi que depuis 1960 à nos jours, disons-le sans jeu de mots, trop de fautes, trop de corruption, trop de replis identitaires, trop d'injustices, trop de gaspillage, trop d'insécurité, trop de favoritisme. Trop de mauvais climat des affaires, trop d'immodestie de l'État et de ses serviteurs. Mais je m'interroge quand même, qu'avons-nous fait? Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'il y a finalement dans ce pays-là, Aristide? Mon très cher aîné a défini trois principes. En fait, il a mis trois poches en fait dans sa réflexion et que moi je partais aussi dans cette même vision. Mais je veux commencer par regarder pour être réaliste. Mais avant tout, il faut quand même qu'on revienne sur un élément. La première partie de notre émission a dénoté quelques imprécisions où on nous a fait la notion de la maturité intellectuelle pour parler de notre indépendance en accusant l'autre. C'est-à-dire que là, en fait, nous sommes en train de ressusciter Sartre dans les mains sales où l'enfer, c'est l'autre. Lorsque, en années 60, l'Européen, peu importe qu'il nous ait donné l'indépendance ou pas, qu'il soit venu à nous, vous savez, nous sommes tous issus de l'Africain, nous sommes peut-être de la même génération, à part certains. Vous vous souvenez? Nos parents ne choisissaient, ne draguaient pas leurs femmes. On leur donnait, on leur imposait une femme. Et donc, ils apprenaient aussi bien, maman et papa, apprenaient à aimer son mari et sa femme, mais ils constituaient un foyer. Ils bâtissaient un foyer. Ils avaient des enfants et ils avançaient. Sauf que nous avons reçu aujourd'hui, nous nous avons reçu aujourd'hui cet héritage post-colonial où on peut constater, on nous a laissé un chemin de fer. 60 ans après, il n'est pas fonctionnel. Il est en état de délabrement. On nous a laissé l'hôpital CHU de Brazzaville. Aujourd'hui, il ne peut même pas soigner les gens. On appelle ça maintenant à Brazzaville CHU tue. On nous a laissé l'usine de Kisunji, n'existe plus. On nous a laissé Ofunacom, ça n'existe plus. Dans les années 60, le Congo-Brazzaville avait déjà Monoprix. Mon père y a travaillé. Il n'existe plus. Il y avait les ASKN, n'existe plus. Il y avait cette administration congolaise où, quand vous arriviez, le dossier était géré. Ça n'existe plus. Vous n'allez pas venir nous dire encore que c'est le blanc qui vient nous dire encore que, bon, écoutez, n'éduquez pas vos enfants. C'est le blanc qui est venu encore nous dire, tiens, tuez ne soignez pas votre population. C'est encore le blanc qui va nous dire que non, désorganisez votre économie. Non, il y a cette vision, cette approche qui a été mauvaise. Nous avons pris, après vous allez nous dire que nous n'étions pas prêts, non, pour ça vous dites que nous étions des intellectuels. Donc ce sont des intellectuels congolais, ils ont été à l'université, ils ont étudié, c'était des docteurs tous. Vous voyez, on ne peut pas aujourd'hui. Le bilan, il est calamiteux. C'est quand vous regardez juste le Congo, après vous venez nous dire que non, Mitterrand a fait ceci, le labo, il a fait ceci. Et je vais aborder aussi la deuxième partie de ce qu'on appelle la concurrence. Vous savez, lorsque moi, je vais vendre un produit, je dois m'assurer que de la valeur de mon produit. Mais lorsque vous me parlez, vous vantez le matière première, mais dès lors que dans votre matière première, vous êtes incapable de mesurer sa capacité, puisque l'importance et l'influence et la valeur de ton produit n'a de sens que lorsqu'il est transformé. Mais sauf que le client qui vient vers vous, il vous prend votre produit brut, qu'il transforme et il vend et il vous remet l'argent. Donc, en déduisant à sa guise les prix de la dépense, les économistes le diront, mais nous avons conscience que nous avons la matière première. Commençons par créer aussi des entreprises de transformation du bois chez nous, de la transformation de notre brut chez nous. L'avez-vous fait? Non. Vous pensez que vous avez manqué de moyens? Non. Il vous a manqué de la volonté. Voyez déjà, il vous a manqué de la volonté. Allons-y. Vous savez, il y a deux éléments en fait. Nous sommes en train de confondre les choses, hein, alors que nous avons tous appris ça. La politique est définie étymologiquement comme étant la gestion d'une cité. Donc, il y a le social, il y a l'homme au cœur. L'économie est définie au sens économique, étymologique, oikos nomos, qui veut dire quoi? La gestion de la maison. Qu'avez-vous fait de la gestion de la maison? Rien.
Donc, il faut qu'à un moment donné qu'on ne puisse pas aujourd'hui, au 21e siècle et 20, 63 ans après, continuer toujours à trouver un sorcier. Mais alors, il faut l'exorciser. Prenez vos pasteurs qui viennent aussi nous enlever le démon du blanc. Vous croyez que c'est le blanc qui nous demande aujourd'hui? Je vais vous donner un exemple simple. Allez au Congo-Brazzaville. Vous avez la société Averda qui gère la gestion des déchets. Vous savez, nous sommes sur deux éléments. La première partie, c'est l'économie linéaire. Et la deuxième partie, c'est l'économie circulaire. Où vont les déchets que récolte Averda? Ils les stockent au vu et au su de tous. Quel est le retour de cette eau-là? Vous me parlez de l'économie ou de l'écosystème? Alors que vous n'avez pas la maîtrise de ce qui est fait, et vous pensez que c'est encore le blanc qui vous a dit, mais tiens, ramassez vos poubelles, allez mettre ça derrière le marché, le grand marché de Pointe-Noire, la population peut toujours humer l'odeur, souffrir, avoir la fièvre typhoïde, vivre dans la saleté. C'est encore le blanc qui organise. Nous sommes le seul pays. Dans les années 60, avant, le produit, par exemple, alimentaire était maîtrisé. 60 ans après, le monde et le Congo, je veux m'arrêter là, le Congo est membre de l'organisation internationale donc de la normalisation. Donc, quoi? On adhère à la norme 45001, sécurité et santé au travail. Et 45001, Congo. 9001, la qualité, management de la qualité. 22000, management de la sécurité alimentaire. 14001, environnement. Tous ces éléments-là, vous les avez apportés de mieux. C'est encore le blanc qui vous a bloqué de voir que comment s'organise les normes. Et c'est clair dans les normes, on marche sur un système de PDCA, c'est-à-dire on planifie, on fait ce qu'on a planifié, on vérifie ce qu'on a planifié, qu'on a fait, on corrige. Et c'est ça qu'on appelle la roue des demi. Qui? Vous pensez que les Congolais ne maîtrisent pas ça? C'est les responsables politiques ne maîtrisent pas ça? Si, ils mordent la volonté. Nous devons avoir de la mesure. Il faut qu'on dépassionne un peu le débat, qu'on aille un peu dans le vrai, en se disant, mais tiens, réellement, aujourd'hui, quand on regarde ces éléments, le Congo est membre, a signé la Convention de l'Organisation internationale du travail. Donc, ça dit que nous respectons aussi ces règles-là. Nous sommes engagés à cela. C'est encore le blanc qui nous a dit, non, ne respectez pas ça. C'est encore le blanc qui nous a dit, le Congo a signé la Convention des droits de l'homme, à éliminer l'injustice, la corruption et tout le reste, avec ces sept principaux domaines de fait. Est-ce que c'est encore le blanc qui est venu dire, tiens, écoute, tu peux toujours corrompre ton peuple, bouffer, construire une grande maison alors qu'il y a ton voisin qui meurt à côté? Vous pensez que c'est encore le Congo? Non. Monsieur Aristide, merci.